Pause lecture avec Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. On commence avec le roman Une famille presque normale. On y retrouve en fait la famille Sandal, une famille qui de l'extérieur semble parfaite, en tout cas en apparence. Par contre, la fille est arrêtée pour le meurtre d'un homme d'affaires. Et ce qui semble intéressant, c'est que l'histoire est racontée par trois points de vue là, différents. Oui, effectivement, et ce roman-là de M.T. Edvardsson, qui est un auteur suédois, Edvardsson, qui est traduit en plusieurs langues, qui est très, très populaire, et je suis bien heureux qu'on puisse le traduire en français maintenant. Alors ça, c'est une belle histoire de famille. Alors, notre Adam Sandell, comme vous le disiez, c'est un pasteur suédois, on vit à Lund, les trois personnages principaux là-dedans forment une famille qui semble en apparence très heureuse. Sa femme Ulrika est une avocate qui est très, très brillante, et il y a leur fille Stella. Et arrive un homme d'affaires qui s'appelle Christopher Olsen, qui va être retrouvé assassinat, et c'est Stella qui est arrêtée. Ça, c'est la base du roman. On pense que ça va être uniquement un roman policier. Pas tout à fait, parce que Edvardsson, ce qu'il aime, c'est étudier l'aspect psychologique des choses à la suite d'un événement. Alors, l'intérêt de ce roman-là, c'est que les trois personnages vont avoir chacun une histoire à raconter sur ce meurtre-là. Alors, le pasteur, lui, ce qu'il nous montre, c'est un peu l'expression de quelqu'un qui est très coupable, qui se sent coupable. Est-ce que j'aurais pu faire plus pour ma fille? Et il va dire des choses, il va prendre des positions qui font qu'il va tout faire pour protéger sa fille au maximum. Sa femme, de son côté, qui était, comme je disais tantôt, une brillante avocate, elle va s'interroger sur sensiblement les mêmes aspects. J'ai tout consacré à ma carrière, mais est-ce que j'aurais dû en faire un peu moins de ce côté-là, puis m'occuper un peu plus de ma fille? Mais dans le fond, est-ce que j'avais le choix? Parce que, évidemment, avocat brillant, c'est payant. Alors, c'est la psychologie des personnages qui est intéressant là-dedans. Et en même temps, et c'est un peu le leitmotiv de Edvardsson, c'est qu'Edvardsson est un auteur, c'est un écrivain, mais qui, à l'intérieur de ses romans, critique beaucoup la société suédoise, la façon de fonctionner du système judiciaire suédois. Il a pris un peu la même voie que Henning Mankell avait pris lorsque Mankell écrivait ses romans. Mankell, c'est un peu une critique aussi à l'intérieur de ses romans policiers de la société suédoise qui est un peu xénophobe, qui ne tolère pas les étrangers dans son pays, etc., etc. Ben Edvardsson, lui, c'est plus sur le système judiciaire. Il dit qu'il y a des failles dans ce système-là qui font qu'à un moment donné, il y a de l'exagération, il y a des montées en épingle d'événements qui, c'est souvent mal enquêté. Alors, c'est un peu une critique là-dessus. Et c'est l'aspect intéressant de ce roman-là. Alors, Une famille presque normale de M.T. Edvardsson, c'est publié chez Sonatine. Maintenant, vous nous parlez de La nymphe endormie. En fait, c'est l'histoire d'un tableau, mais qui a été peint avec du sang humain. Et là, on fait une enquête autour de ce tableau-là. Oui, effectivement. Ça, c'est de Ilaria Tutti, qui est une auteure italienne. Et rappelez-vous, Caroline, je vous avais parlé d'un de ses romans, je pense c'est l'an dernier, d'Ilaria Tutti. Donc, elle nous revient avec ses personnages, deux de ses personnages, qui est le commissaire Battaglia, qui est assisté de son jeune inspecteur, qui est un peu celui qui l'accompagne, Massimo Marini. Alors, les deux vont enquêter sur ce cas-là. C'est un tableau qui a été retrouvé et qui, après une expertise, on réalise qu'il a été peint avec du sang humain. Alors, du sang en quantité telle que la personne qui aurait donné ce sang-là n'aurait pas pu survivre. Alors, le tableau date de 1945. Le peintre de ce tableau-là existe toujours, mais il est complètement silencieux. Il ne parle pas. Alors, on va être obligé d'aller dans une petite région qui s'appelle Val Resia. Et évidemment, on est en Italie, on est dans l'Italie profonde et les gens ne parlent pas facilement. Et c'est un peu l'omerta. On protège tout ça. Alors, nos deux inspecteurs vont commencer leur enquête. Et pour ceux qui avaient lu les romans précédents d'Ilaria Tutti, ben savent que le commissaire Battaglia est atteint de Alzheimer, qu'il cherche à cacher. Et son jeune commissaire ne parle pas non plus. Alors, évidemment,
plus on évolue dans les romans de d'Ilaria Tutti et de ces personnages-là, plus évidemment le commissaire Battaglia va avoir des problèmes de santé. Alors on enquête à Val d'Orezia. Val d'Orezia, c'est à la frontière italienne avec la Slovénie et là, ce qu'on veut faire, c'est il faut retrouver les origines de cette jeune fille-là, mais c'est 70 ans après les événements, alors c'est quand même relativement compliqué. Et ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça a été peint de cette façon-là, qui était cette jeune fille-là, puis est-ce que c'est elle, est-ce que c'est son sang qui est sur le tableau en question. Alors, La nymphe endormie d'Ilaria Tutti, c'est publié chez Robert Laffont dans la collection La bête noire, c'est assez haletant, et si vous aviez aimé Ilaria Tutti dans ses précédents romans, ben vous ne serez pas déçus. On fait une pause, Paul, et au retour, vous allez nous parler d'un homme d'affaires très important pour la région du Bas-Saint-Laurent. De retour à la pause lecture avec Paul Ouellette. Vous nous parlez maintenant de la biographie de Jules A. Briand, homme d'affaires qui a été très important à Rimouski, mais pas seulement, là, vraiment là, pour toute la région du Bas-Saint-Laurent. Oui, la région du Bas-Saint-Laurent, je dirais même pour le Québec, parce qu'il s'est mêlé de politique également. On parle de Jules A. Briand, bâtisseur d'empire. Ça a été écrit par Paul Larocque, qui est un historien qui enseigne à l'Université du Québec à Rimouski, et Richard Saint-Don. Richard Saint-Don, Richard, c'est un bonhomme qui a fait toute sa carrière de journaliste à la radio et à la télévision de Radio-Canada dans le Bas-Saint-Laurent. Et je vous dis de Radio-Canada parce que Jules A. Briand a été, entre autres, le fondateur de CJBR, la station de télévision là-bas. CJBR qui, à l'époque, diffusait Radio-Canada, qui, par la suite, va être vendu à Télémédia dans les années fin des années 60, début des années 70. Et Télémédia, par la suite, à la fin des années 70, l'a vendu à Radio-Canada qui et la station est de devenu une filiale de Radio-Canada pour le Bas-Saint-Laurent. Mais Jules A. Briand, c'est un bonhomme qui venait d'une famille ordinaire, une famille pas tellement riche, de la Matapédia, qui a étudié, qui a eu des idées extraordinaires. Entre autres, il s'est dit, pourquoi on ne produirait pas nous-mêmes notre électricité? Parce que, mettez-vous dans les années 50-60, l'électrification, Hydro-Québec, ça n'existe pas encore, et l'électrification se faisait un peu par les régions. Alors, lui va bâtir une centrale hydroélectrique, va fournir de l'électricité à toute la région, à tout ce secteur-là, Matane, Rimouski, etc., va faire évidemment de l'argent avec ça et va par la suite investir ou avoir d'autres idées. Le téléphone, entre autres, il s'est dit, le téléphone, ça fonctionne tout croche dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, il a fondé Québec Téléphone, qui par la suite, dans les années 70, va être vendu à TELUS. TELUS, c'est Québec Téléphone dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est lui qui a fondé ça. Alors, c'est un homme qui s'est impliqué beaucoup socialement également. Il disait, il manque de main-d'œuvre dans le Bas, de main-d'œuvre spécialisée dans notre région. Alors, il a fondé une école technique qui existe encore. D'ailleurs, sur le frontispice de l'Université du Québec à Rimouski, quand vous entrez par une des portes, en haut de la porte, on voit encore le nom de monsieur Briand, de Jules A. Briand. Alors, c'est un homme qui, politiquement, s'organisait pour laisser passer ses idées, mais c'est jamais chicané avec les gouvernements comme tels. Il y a des hommes d'affaires qui étaient carrément, disons, peints en bleu. Ils étaient pro Duplessis à l'époque, puis les libéraux, on allait en enfer. Mais lui, il était assez intelligent pour quand même flotter là-dedans, puis se tirer son épingle du jeu. Il a eu aussi dans sa carrière des moments moins intéressants. Il a fait certaines banqueroutes, il s'est relevé, il est reparti en affaires, il a recommencé à faire de l'argent. C'était un homme qui, par le personnage comme tel, qui était fascinant et qui a fait que le bas du fleuve Rimouski, toute cette région-là, s'est développée financièrement de façon intéressante grâce à ce bonhomme-là. Et Richard Saint-Don se disait, pourquoi on n'en parlerait pas? Parce que ça a été un personnage important à Rimouski, un homme d'affaires important à Rimouski. Alors, il a écrit ce livre-là qui est très intéressant. Alors, Jules A. Briand, bâtisseur d'empire, de Paul Larocque et de Richard Saint-Don, c'est publié au Septentrion. Bien, c'est très intéressant de pouvoir connaître ainsi une figure importante de notre région. Alors, félicitations à ces deux historiens qui ont décidé d'écrire cette biographie. Effectivement. Et c'est intéressant de découvrir ces hommes d'affaires-là qui ont consacré leur énergie, qui ont fait de l'argent. Et c'est fantastique parce que eux, en s'enrichissant, enrichissaient tout le monde autour d'eux parce qu'ils avaient aussi cet aspect-là. Ils étaient brillants. C'est un bonhomme qui était généreux également.
Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera bien sûr mercredi prochain. À mercredi.